Hey, salut tout le monde, c'est Marquant. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Heroes in General avec les Allemands, un petit peu pour changer. Et on va se retrouver en confrontation. Pourquoi les Allemands? Parce que j'ai décidé de changer un petit peu les Américains, j'en avais un petit peu marre. Et j'ai décidé de tester tout simplement la puissance allemande. Donc on se retrouve une fois que la game est lancée. Et donc nous voici sur Heroes in General, donc avec les Allemands. Et on va devoir prendre le dépôt, hein, comme d'habitude. Mais à l'inverse de d'habitude, là on est du côté allemand. Et on se bat contre la mère patrie, hein, on se bat contre l'URSS. Et nous ne les laisserons pas gagner. Nous allons prendre ce dépôt et le tenir jusqu'à notre mort. Ah, comme vous pouvez le voir, les Russes viennent de prendre le dépôt. On va dessus. Voilà, on est en infériorité, hein, pour l'instant. Ils sont supérieurs en nombre, mais apparemment ils savent pas trop bien jouer. Encore heureux. Ou j'ai peut-être eu un gros coup de bol, ce qui est possible aussi. On va les contourner, on va arriver dans leur dos. On va se décaler, hein, parce qu'il y a déjà 10 Russes sur la zone. Et pour l'instant, je ne vois personne. Enfin, pas grand monde, disons. En voilà déjà un de moins. Et de deux. Et 2-3. Allez, 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 faut continuer. Combattre pour que l'armée allemande reste la meilleure superpuissante. Voilà, on en est à 4. Cinq. Six. Wow, je prends des tirs. Ah, j'ai pris une grenade, je suis mort. Bien joué de leur part. Mais ils ont déjà capturé quasiment la moitié de leurs points. Oh là là, on est vraiment vraiment très très en retard en fait. Je viens de m'apercevoir de ça, on est très très en retard au niveau des ennemis, au niveau des points. Par contre, moi personnellement, je me mets bien, je suis à 8-1, qui est franchement un bon score comparé à ce que je fais d'habitude en américain. Hein. Voilà, un de plus à ajouter au tableau de chasse, hein, ça fait jamais de mal. On va se soigner. Impeccable. On est full vie, on va se décaler. Et on va se remettre donc dans une position qui nous est plutôt favorable. Ah, celui-là, c'est un russe que j'avais pas vu. Malheureusement. Comme vous avez pu voir, je suis tombé nez à nez avec lui, je m'y attendais, mais alors pas du tout. Donc on y retourne, hein, tant pis, c'est petite erreur, on y retourne, c'est pas bien grave. On va se ravancer, on va se remettre en position, puis on va attendre que l'ennemi russe arrive, tout simplement. En essayant de pas retomber dessus comme là, parce que bah, là j'ai paniqué et j'ai fait n'importe quoi. Un petit peu en retard.
Le seul problème de mon arme, c'est que elle n'a que 20 balles et j'ose pas tirer des grosses rafales en fait. En ayant peur tout simplement de tomber à court de munitions très très vite. Et en tirant des petites salves, le truc qui se passe, c'est que l'ennemi a le temps d'aligner un tir. Un tir qui m'est bien sûr fatal, hein, comme vous avez pu le voir avec le Mosin Nagant juste avant. J'avais une bonne avance et là je suis en train de tout perdre. C'est dommage. On est à 9-3. Bon, c'est plutôt pas mal. On a récupéré le point de capture et on commence à bien avancer avec le point. On est même plus loin qu'eux, je pense. Donc, waouh, ah, ça fait mal ça. Ah, ça fait mal. Ça, c'est un sniper ennemi qui s'est caché encore une fois. Hein, voilà. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Moi, je veux me soigner. Voilà, on est soigné, on y retourne. Voilà, on y est. L'ennemi y est aussi. C'est qui est? J'en étais sûr, mais j'ai pas eu le temps de me retourner. De toute façon, je voulais détruire le véhicule, hein. S'il n'a pas marché parce que j'ai visé comme un pied. Voilà. Je vais retourner sur le point parce que comme vous pouvez le voir les ennemis sont en train de le cap. Malheureusement, je suis pas chef de groupe, je peux pas donner l'ordre aux équipes d'attaquer enfin en tout cas à mon équipe d'attaquer le point parce que le chef de groupe apparemment a décidé de ne rien donner comme ordre, ce qui n'est pas cool. Mais alors pas cool du tout parce que bah ça nous fait perdre des points Enfin non, ça nous fait pas gagner de points en fait, tout simplement. Et c'est stupide en fait. Donc si vous êtes chef de troupe, donnez l'ordre d'attaquer. Ça vous fera des points et ça permettra de montrer à votre groupe que vous n'êtes pas totalement inactif. Voilà, on récupère le point petit à petit. L'ennemi n'est pas du tout du même côté que nous. Wow. J'ai plus de vie, je vais faire un retour derrière pour aller me rajouter de la vie, hein, parce que bah, ça sert à rien de combattre avec de la vie en moins. Voilà, on est retourné, on y revient. Hop. Et là, on va faire comme d'habitude, on va se mettre derrière l'ennemi et puis on va l'attaquer dans son dos. Tout simplement. Parce que l'ennemi est très peu nombreux là sur le point. Ça, c'est ce qu'on appelle un rect. Là, logiquement, on est dans le dos de l'ennemi. Mais l'ennemi n'est pas là. Tout simplement. On va sortir, hein. On va sortir, on va regarder où se trouve l'ennemi. Voilà, ça fait un de moins. L'ennemi là a été neutralisé. Celui aussi. Là-bas. Neutra. Et voilà, on a gagné donc cette game qui s'est franchement très très mais alors très très bien déroulée. Donc sur ce, c'était marquant pour une petite vidéo Heroes en général. Bye bye!